Oui. Préviens-moi quand tu fais des starts comme ça aussi. Je t'ai dit, je te préviens, ah ouais, ça va démarrer quoi. Ah ouais, non mais bon. Regarde, salut. C'est ce que c'est ça. Le babyphone. C'est le babyphone de tout père, digne de ce nom. Regarde, hop, à côté de l'oreille. Ouais. Tu sais pourquoi à côté de l'oreille? Parce que s'il est trop près du micro, ça fait... Ah, ça fait des... Ah ouais, interférences. Bon. Hoi. Salut les amis. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en compagnie des studios de David O'David. Enfin, je veux dire, vous êtes en compagnie de nous-mêmes, du grand Maybe. Ouais, ben salut à toi, bien, David. Bien chevelu aujourd'hui. T'as vu bien. Ça, hein, ah, petit ouais, élastique ouais, de circonstance, t'as vu ça. Oh, on dirait un joueur de tennis. Ouais, on s'est soigné. Hein. Ah ouais, ouais. André Agassi dans sa jeunesse, parce que maintenant, c'est des pubs pour Gillette, donc c'est plus pareil. Quel souvenir, Agassi. Ouais, ouais. Ah, c'était quand j'étais gosse, tu vois, moi je faisais du tennis aussi. Ouais. C'était trop la classe, parce que tu pouvais mettre des, tu sais, des grippes autour de tes... Ouais. Des fluos, c'était trop la classe, tu vois. Avec vois les, comme... Tu peux aussi mettre des trucs, tu sais, des petites boulettes. Des vibreurs, ouais, fluos, c'est trop la classe. Oui, il fallait que ce soit la bonne couleur. Assorti au grip. C'est ça, la raquette André Agassi, c'est que pas... tu... Ah, la classe. C'était un peu la classe. Ah, toute une époque, toute une époque. Je me souviens, c'était contre qui qu'il avait fait Ah, c'était l'époque aussi, il y avait Chang qui... comment il s'appelait le russe, là, celui qui faisait peur, là. Le cousin de Dracula, là. Et Chang, il avait des crampes partout aux jambes, il était allé à la volée pour le service. Je sais plus. Et du coup, le gars, moi, quand j'étais jeune, c'était plus football. Quand même. Ah non, c'était vraiment... Et heureusement que j'ai mis le babyphone parce que le petit a l'air de tousser méchamment, là. Bon, on va peut-être devoir arrêter la vidéo, du coup. Bah ouais, écoute, les priorités sont là, hein. C'est ça. Du coup, aujourd'hui, que fait-on? Eh ben écoute, je pensais te proposer, vous proposer... comment aborder un petit peu un match de tournoi? Donc là, c'est un match que j'avais fait pour un qualifier. Et j'étais tombé contre un bon joueur, Pavel. Alors, il y a un gnome qui vient d'arriver. Bonhomme, qu'est-ce que tu fais là? On record? Mais tu peux pas casser la vidéo de papa comme ça. Ah, mais il fallait faire une cop-up, ça m'a mis. Mais... Va voir maman. Tu dois aller au lit avec maman, bonhomme. Ne m'oblige pas à faire preuve d'autorité parentale. Sachoun, va avec moi. Monsieur, dame, je vais être obligé d'intervenir. Là, je connais mon fils, je sais que la négociation va pas être possible. Bon, Maybe, je te laisse présenter le truc. Ben ouais, écoute. Ça va certainement gueuler un coup. Moi, je t'en prie. Attends, je te laisse passer. Alors, dans des conditions extrêmes. Ah, mais regardez ce que le petit est venu chercher. Ah oui, les Funko Pops, hein, ce que je dis. Mais bien sûr, Tu peux pas aller au lit sans le Funko Pops, hein, voilà. Voilà. Et bien sûr, pour aller avec... Bien sûr, mais où est Dark Vador? Papa là. Alors, donc mais je. Il a fait un truc horrible à Dark Vador. ils ont déboîté. Dark Vador s'est fait déboîter. Ça après Luc. Voilà. Voilà. Heureusement, papa va essayer de reboîter. Où est-ce qu'elle est la tête de Dark Vador, bonhomme? Parce que Dark Vador, même s'il est à moitié robotique, il lui faut un peu de respect, s'il te plaît. Ah. Tu veux bien donner la tête de Dark Vador, un minimum de respect, s'il te plaît, fils. Comment je fais, moi, pour présenter dans ce qu'on dit? Alors, je vous disais, donc voilà. J'avais envie de vous présenter, donc, David arrive, hein. J'avais envie de vous présenter, donc, une série de comment aborder les tournois, quelles sont un peu la manière d'aborder tout ça, de réfléchir à sa composition de deck, et puis voilà, tout simplement, donc, là, j'en ai profité, je tombais contre Pavel, hein, comme je vous l'ai déjà dit, donc, plutôt gros player, et voilà, Dark Vador, il est complet. Je suis ton père. Allez, mon bonhomme. Viens, on va faire dodo, tu dis au revoir. Dis au revoir à tout le monde. Dada tout le monde, dada tout le monde. Ah, on n'a pas vu. Si, si, on voit dada tout le monde. Bonhomme. Voilà. Allez. Si. Au revoir, madame, bonne nuit. Il faut dire au revoir, Dark Vador. Il faut dire au revoir à tout le monde. Au revoir, Dark Vador. Vas-y, dis au revoir, Dark Vador. Au revoir, Dark Vador. Oh, c'est mignon. Oh. Allez, j'arrive. Hein. Vas-y, oh. Baby, je te laisse. Hein. Voilà. Mais oui, maintenant je suis foutu. Et donc, voilà, moi j'étais parti sur un choix après. Je vous avouerai, mais c'est pour ça que c'était pas forcément le bon choix, parce que c'était un format conquête. Et donc, ma compo était peut-être un petit peu trop sensible au druide. Donc, moi j'étais parti sur un druide double combo, évidemment, parce que ça, vous ne savez pas y couper, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le deck. Si on veut avoir une chance de gagner un tournoi,
Bah, il faut y passer. J'étais parti sur un guerrier contrôle, un petit peu le nouveau Elise là. Et j'étais parti aussi sur un Renault combo. Donc voilà, pour ma part, mon adversaire m'avait déjà annoncé ses decks à ce moment-là de la game. Donc lui jouait paladin, druide et démoniste. Donc paladin, probablement secret. Bon, c'est ce que je me dis. Après, voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à se dire, c'est que vaut mieux toujours partir du principe que vous avez l'archétype agressif face à vous. Pourquoi ? Parce que le mulligan est important. Et si c'est le contrôle, bah tant pis, on aura le temps de choper les options dont on a besoin plus tard. Mais si c'est... Oui, si c'est l'agressif et que t'as pas les réponses, voilà, c'est ça. Tu te fais mettre dans le mur. Exactement. J'ai l'impression que t'as été légèrement déstabilisé dans ton être. Et ça m'a... Je t'avoue que là, ça m'a... Ah, c'était... J'ai dû faire preuve de... Alors, là, je me dis quand même... Ma main de départ est pas... Elle est pas mal. On en a vu des pires. Écoute, t'as de l'accélération, t'as du contrôle, t'as de la créa. Et là, je me dis merde. Et là, c'est le moment où je me dis le match-up, il est pas bon. Quoi. C'est ton pote... C'est... A priori, c'est ton pote le deck aggro. Voilà, c'est ça. Donc là, évidemment, même si ma sortie est quand même bonne, le problème, c'est que le match-up peut quand même vite tourner au carnage. Et on voit que sa sortie à lui, il n'est pas en reste. Aïe, 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 parce que t'es un secrété de mini-bot. Voilà, c'est ça, là, c'est ça, c'est ça. Il peut difficilement faire mieux. Hein. Ouais, surtout que ça s'enchaîne. Et que, voilà. Attention, la creeper, c'est peut-être un vomiladin en fait. Peut-être. Moi je vois quand même le piège, donc je me dis, c'est quand même. Ça doit être un secret classique. En plus, comme c'est des joueurs de ce niveau-là, généralement, tu vois, ils sont quand même dans le costaud, dans le reconnu, dans le stable, j'ai envie de dire. Hein. Et là, je me dis, ça va être compliqué. Même si ma sortie est bien, mais voilà, effectivement, ça... le problème, c'est qu'on fait En fait, on fait tous les deux grosse sortie contre grosse sortie. Ce qui se passe, c'est que lui, il a déjà l'avantage du match-up. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ouais. Donc là, pourquoi est-ce que ta créa est morte ? Parce qu'il a... En fait, il a buffé sa rampante avec la 3-4. Et le rip-hop, il est mort avec quoi ? Mais oui. Attends. Il s'est passé un truc là. Mais attends. Il s'est passé un truc là. Ah, mais c'est vrai, putain, une fois. Tu t'es fait voler ton rip-hop ? Mais non, ça dit silence. Regarde. Ah, mais voilà, il me l'a traité. Voilà, lui, il me l'a traité avec le bouclier divin. Ah oui, avant même qu'il touche le sol. Voilà, là, il a même pas touché. Mais tu te crois dans Street Fighter ou quoi, mec ? Il est nerveux là, mais c'est du Street Fighter. Eh, Pavel, c'est du Hearthstone, c'est pas. Soyuki. J'ai perdu mes moyens, j'ai même pas vu passer le. Là maintenant sur la VOD. Donc évidemment. Là, je vais aller trade hein, la 5-4 pour pas laisser sur le board. Tu trouves que tu t'en sors encore pas mal. Hein. Mais je m'en sors bien. Là, pour le moment, j'ai encore les dents qui sont pas trop déchaussées. Tu veux dire que. Pour le moment. T'es pas encore condamné à la purée. Voilà, là, c'est ça. Là, pour le moment, j'ai pas encore besoin de ma paille pour manger. Hein. Je suis encore au steak. Sinon. Voilà. Et là, aïe. Là, voilà, il déroule. Et c'est ça aussi qui est intéressant de noter. C'est que vous voyez l'importance des match-up. Parce que là, on fait vraiment. Je pense que je pouvais pas me plaindre, ma sortie est quand même caviar. Je peux pas faire mieux comme en termes de sortie, non. Mais je me fais rouler dessus. Alors j'ai une question à te poser. Oui. Ici, tu n'as pas joué l'innervation... Pour le boom Non, innervation d'Arnassus, qui t'aurait donné ouais. Deux créas. En fait, je me dis, je voulais essayer de garder pour peut-être essayer de mettre un combo ou utiliser mon innervation avec l'ancien, parce que c'est un truc qui est sympathique d'aller piocher avec l'ancien et de faire une innervation, par exemple, pour récupérer quelque chose. Et là, voilà. Le chevalier qui tombait du ciel, hein. Oh, et... la sortie crasseuse. Ouais, et le problème, c'est que... Voilà, ici, bon, là, je vais essayer. Là, maintenant, je vous le dis, je suis plus dans une optique d'essayer de faire durer la game pour prendre un maximum d'informations. Alors là, je vois qu'il y a 4 pièges, donc je me dis, généralement, quand vous voyez 4 pièges, tu n'as pas la repentance. Donc, il tenait ton... C'est pour ça que je me permets de jouer mon boom. Et là, je me dis, allez, je tiens encore, je prends pas encore trop l'eau, j'essaye de répondre coup pour coup oui, à mon adversaire. Repentir, c'est plutôt quand une fois. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, comme il n'a pas joué avant, ouais. Il a fait des tours avec de la mana vide. Donc, moi, j'en ai déduit qu'il n'avait pas de piège en main, parce qu'il y a des tours où il aurait pu me le jouer, oui. Il avait de la mana en trop. Et là, voilà, la deuxième Uldaman. Aïe, aïe, aïe. Là, Pavel fait une très très belle sortie. Ah oui, oui. Alors que, comme tu l'as dit, la tienne n'était pas en reste. Hein, ah non, c'est ça. Moi, j'ai pas à me plaindre. Le deck m'a pas pété entre les mains. Hein. Je veux dire, le druide a. Et là encore, le deck honnêtement a fait, le druide a fait ce qu'il a pu quoi, mon deck, je me suis... Et on voit qu'effectivement là j'ai quand même du mal à garder la tête hors de l'eau, je me bats comme je peux et... Une bonne balayette ici pourrait faire mal ceci. Oui. Oui. Elle arrive. Elle arrive.
Elle arrive pas. Oui. Mais voilà, c'est ça, vous voyez un petit peu. Et là, bon, évidemment, on va jouer la Darnassus, mettre un maximum de choses pour essayer de limiter la casse. Ah, c'est ça, là. Voilà, mais je me dis, il y a encore moyen, allez, on sait jamais si j'arrive à stabiliser. Là, je vois qu'il est quand même un petit peu en all-in. Donc là, je vais dévier le piège avec ma tête pour pouvoir utiliser mes bombes en termes de. Et tu vois, là, toute l'importance, par exemple, de l'innervation, hein, de oui. pouvoir la garder pour comboter. Et là, je me dis, là, mon optique, c'est, allez, le gars, il me déroule. Faut que je stabilise. Et là, évidemment, ça buff. Celle que je voulais pas que ça buff. Je me dis, le Lascar, il déroule. Là, maintenant, moi, ce qu'il faut, c'est que je le stabilise. Et à partir de là, je me dis, allez, je peux, sur un malentendu, une 4-6 stone. Tu n'as encore pris que 12 dégâts. C'est ça. Mais bon, le problème, c'est que au bout d'un moment, tu vois que j'ai de plus en plus de mal. Tu vois, j'ai de plus en plus de mal à garder la tête hors de l'eau. Mais là, il y a... Une lueur d'espoir. C'est la balayette. Voilà. Salut. Bon, du coup... Bah, là, évidemment, je vais prendre le trait et mettre le boom à 2 points de vie. Et tu vas faire sauter. C'est ça. Et là, j'ai un full clean. Et donc, je me dis, allez, mon gars. Et pas de bol. Est-ce que c'est... Tu vois, là, je me dis, allez. Docteur Witt. Et là, je me dis, allez, y a moyen de négocier. Parce que tu connais la règle, hein. La Trinité sort, c'est perdu d'avance. Ouais, hein. Mais là, voilà. Je me dis, là, il faut que ce Drake reste en vie. Là, honnêtement, là, ma pensée, parce que j'essaie de vous donner ma pensée pendant la game pour que vous voyez un petit peu comment. Et je me dis, eh ben voilà, bon, ben, le Drake, il est foutu. Bon. Deuxième balayette. C'est ça, là, il faut déjà une deuxième balayette. Je me dis, allez, il y a encore. Allez, lâchez que je peux faire Drake, colère à 1 sur la 3-2. Enfin, colère à 2, évidemment. Et là. J'ai peut-être joué trop vite. Est-ce que j'aurais pas éventuellement dû... oui, pourquoi je fais ça plutôt que la... Pour mettre du board. C'est fait créer en plus, c'est mais... Ça. Et je me dis, sur un top deck rare, on ne sait jamais. Et là, tu prends 5, 8, 9, il a le létal. Oui. Et là, merci d'être venu mais avec... De toute façon, le gardien ne servait à rien puisqu'il l'a joué. C'est ça. Et il a cogné direct, donc pas de regret. Non. Ah, il a... Quand même une sortie bien crasseuse. Mais oui, mais... Comment on dirait ? Bel effort ? J'ai fait ce que j'ai pu, honnêtement. Je me suis battu. Je me suis battu. Bon, voilà, effectivement, c'est vrai qu'il m'a sorti violemment. Moi, je pense que tu n'as pas à rougir. Et là, maintenant, il me reste... oui, c'est en KOTH. Hein. C'est ça aussi que j'avais expliqué au début. Donc, est-ce que ma compo était forcée pas... Peut-être pas bien réfléchi pour du KOTH. Après, je vous l'avoue que je l'ai appris un peu tard, que c'est du KOTH et que mes decks étaient déjà faits. J'avais pas forcément fait attention à ça. Et là, je me dis, bon. Ça a l'air d'être du bon gros guerrier contrôle, ça. Ah oui, ça, c'est du guerrier contrôle. C'est le beau jeu, ça, monsieur. C'est le beau jeu. On va... Écoute, je me dis, de toute façon, là, il me reste un démo combo. C'est pas spécialement un match-up que j'aime forcément. Enfin, disons que je préférais prendre le match-up avec mon guerrier contre son paladin parce que le problème du. Le démo a. Un bon match-up contre le paladin, en partant du principe que tu as tes options. Et si tu n'as pas tes options, tu te fais rouler dessus en 7 tours. Est-ce que ici tu joues la double bastonnade ? Ouais. Ah, ça c'est déjà pas si mal. Double baston. Ouais, non, mais c'est pour ça que je me dis, allez, le match-up n'est pas forcément en ma faveur, mais on en a vu des pires. Donc là, évidemment, je vais directement, parce que ce que je veux faire, c'est lui faire sauter le bouclier divin pour aller le manger avec mon bâche. Et puis, accessoirement, la 1-3 pose problème. Ouais. Parce qu'elle va... Voilà, c'est ça. Minimum, voilà, minimum. Et toi, tu peux bâcher derrière, comme tu l'as dit. Tu as 2 armes. Et là, je suis content. Ah, ouais. C'est pas mal, ça. Là, je suis content, parce que je me dis, allez, c'est pas grave. Du coup, tu le fais avec quoi ? J'y vais avec mon truc, parce que je me dis, justement, si c'est un noble sacrifice, je me mets bien, et je voulais pas tuer, en fait. C'est pour ça que tu as vu que j'ai essayé de taper dans le bouclier divin. Oui. Parce que je voulais pas non plus donner une... Si je tapais dans la 1-1 avec ma 1-3... Je filais le buff à son bouclier divin, et là, ça pouvait commencer déjà à dégénérer, à snowball en sa faveur. Donc, allez, là, je me dis, de toute façon, sa sortie, là, me fait moins peur, parce que là, c'est pas vraiment sa sortie qui me fait peur, c'est plutôt la mienne. Je me dis, à partir du moment où je touche un brawl, là, déjà, je vois que j'ai une revenge. Donc, je me dis, allez, j'ai déjà mon panique bouton, quoi. Si je suis en dessous de 12, son board, je le clean avec une AOE à 3, tu vois. C'est ça. Tu en joues combien ? Moi, j'en joue une dans mon guerrier. J'en joue deux, là, je suis vraiment le guerrier. Ah, oui.
tu vois, le non, je parlais des revenge. Ah oui, deux aussi, hein. Ah, you shall not pass, tu vois, c'est en mode Gandalf sur le pont, si quoi. Tu me fais mal, ah oui, si tu me fais mal, je te piquerai aussi. C'est ça, quoi. C'est, et là, je tombe, mais je t'emmène avec moi, c'est mon ça. Coco, à la mode Balrog, quoi. C'est ce que j'allais dire, plutôt façon fouet du Balrog. Ah, c'est ça, en mode Gandalf sur le pont, quoi. Et puis bon, là, après, là, je vais vous dire aussi, ça, c'est plus un côté réel, mais je me suis dit, oulala. Le mec m'a montré à la game d'avant que c'était un très bon paladin secret. Donc là, je m'accroche, quoi. Je me dis, aïe, aïe, à tout moment, je m'attends à voir tomber un Oreb. Je m'attends à voir tomber le T6. Voilà, je suis déjà prêt pour que ça courbe, quoi. Je me dis, attention, ma main, si tu regardes, j'ai mes deux armes. Enfin, j'ai... quand je dis mes deux armes, je parle même pas de la petite, là. Je parle directement des tourbillons. Mais voilà, tu vois, le fameux Oreb. Là, tu vois, dans ma tête, j'étais déjà. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. C'était pas dans une optique de spoil. J'étais déjà dans une. Dans ma tête, je m'attendais à cet Oreb. Donc. Voilà, je me dis, allez. Tu peux. Un tour 6 extrêmement intéressant ici. Tu nous rappelles, je sais pas si tu l'as déjà fait, tu nous rappelles qui est Pavel ? Alors, oui, Pavel, c'est un joueur ukrainien ou russe de la Team Empire. Très bon, hein, qui avait d'ailleurs été aux États-Unis pour participer au World. Donc, oui, au World, je pense. Donc, vraiment un bon joueur de qualité. Et donc, voilà, donc on est là. Regarde, tour 6, 9 points de vie quand même, hein. Je me fais quand même un petit peu marcher dessus. Oui, mais ici, par contre, tu vas... Et là, tu vois, je suis pas content de voir sur Pop. Et là, comme mon arme, elle sert à rien, donc je préfère privilégier l'armure pour pas me faire voler sur... sur quelque chose. C'est vrai que t'as déjà ramassé. Ah oui, non, là, il me fait du mal, hein. Il me fait très mal. Mais bon, je me dis encore une fois, c'est une question de stabilisation, quoi. Un guerrier, ça stabilise à un point de vie, ça revient dans la game. Il faut juste un moment arrêter de prendre... Mais là, t'as des bons tours, quand même. Oui, oui, je suis pas... Voilà, et là, tu vois, de nouveau, ça m'ennuie, tu vois. Mais bon, voilà, c'est pas grave, il y a moyen. Parce que, mine de rien, il a 6 dégâts sur table. Oui. Ça a l'air de rien, mais... Eh bien, ça a l'air que je suis mort. Si, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je dois réagir absolument. Et pour moi, là, le... Limite, je suis content de le voir me target la tête à ce moment-ci de la game. Pourquoi ? Parce que je me dis, bon, tu vas pouvoir il me laisse de quoi... Ouais, pour moi, honnêtement, ça, c'est une erreur. Mais bon, après, je connais pas sa main, je vois pas ce qu'il a en main non plus. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué de dire ça, c'est une erreur ou ça ne l'est pas, évidemment, sans voir la main de l'adversaire. Bon, là, tu clean. Ouais, là, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que j'ai peur, en fait, de me faire voler sur une chouette. Là, je garde dans mon optique, ouais, il y a peut-être la chouette en main. Ouais, mais normalement, ici, t'es safe. Un tour de plus. Voilà. Donc là, maintenant, je me dis, allez, il a une carte en main. J'espère que c'est pas une faveur divine pour toi. Ouais, ça, c'est aussi exactement... Là, j'ai peur de deux choses. La chouette et la faveur divine, concrètement. Mais là, tu vas pouvoir refaire de l'armure. Mmh. Ouais. Et là, pourquoi est-ce que je joue la Shield Maiden plutôt que la Justicar ? Parce qu'en fait, c'est 7 points d'armure effectif. Tandis que la Justicar, ça aurait été 4 points d'armure et elle se fait trade beaucoup plus facilement. Avec exactement. Là, la 5-5, elle tient le coup, elle meurt pas la championne. Voilà. Et en 3 tours, c'est fini. C'est pour ça. Toi. C'est ça. Et comme il y a la deuxième Maiden qui arrive à et la fin de l'année. Là, c'est ça que je voulais pas voir. Là, je commençais un petit peu à claquer. Bon côté des choses, c'est qu'il n'y a pas de boom. Non, mais là, il maintenant, peut il y a. Toujours y avoir le Dr. 6. Là, je me dis forcément le 6 tombe. Là, c'est ce que je me dis. Voilà. Et effectivement, le 6 tombe, mais tu as Slam. Ouais, je suis Exec, c'est pas si vilain que ça. Là, je commence à me dire. Ça va mal se passer pour toi, mon coco. Mais bon, après... Alors, on rappelle qu'en King of the Hill, tournoi un peu moins joué actuellement. Qui est revenu, hein. Oui. Mais qu'il était un petit peu moins. On rappelle que le deck n'est validé que quand... Enfin, le deck sort quand il a perdu. Tant que vous gagnez avec un deck, vous jouez vous avec... Vous continuez. Donc, et là, je suis super content. Voilà, donc on peut faire un 3-0, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, tu vois le buff qui tombe sur la CC. Je suis ravi, quoi. Pile ce que tu voulais. Ouais, exactement. Tu exécutes ça gentiment. Et là, du coup, est-ce que tu peux pas déjà te permettre de remettre une arme? Je sais, honnêtement, je sais plus ce que je fais, mais je pense que je value. Je suis super safe. Ouais, je value exactement parce que j'ai peur de vraiment me faire voler sur quelque chose. Ouais. Même si là je commence à rentrer dans des zones, mais je préfère en fait setup un board pour pouvoir prendre des trades sur le Tyrion, sur machin. Parce qu'en fin de compte, maintenant j'ai plus de réponse. Si tu regardes ma main, un Tyrion, va falloir que j'y aille à la dure. Que ce soit avec mes bêtes ou avec ma tête, mais. J'ai pas de shield slam, j'ai pas d'exec. Est-ce que tu joues un Harrison Polisson ? Je pense que je n'en joue pas justement dans cette version-là, que j'ai enlevé pour mettre un deuxième revenge en tablant que j'allais me prendre des aggros dans tous les sens. Et en fin de compte, ça m'a réussi parce que jusqu'à présent, on voit que l'Harrison n'aurait pas eu des masses de value. Et à contrario, la revenge m'a quand même sauvé les miches. Ça n'a pas servi à grand chose, mais ce que ça a enlevé, ça m'a permis de stabiliser justement. Même si c'est vrai que j'ai tué que deux bêtes avec une 3-2, une 1-1. Mais ces 3-2, 1-1 là pouvaient me tuer.
Donc là, bon, je suis quand même pas trop inquiet parce que là, tu vois, je vois qu'il commence la baston. Je vois qu'il commence à s'étaler, ça me fait pas forcément du bien. Et la baston, là, le beau jeu là. Le beau jeu, voilà. Voilà. Monsieur Mebi, guerrier de talent. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'as fait déjà maintenant? Non, je pense que je vais temporiser. Je vais dire, je vais attendre son... Tu fais comme si... C'est ça, je fais comme si je l'avais pas pour le bait. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais le classico pouvoir... Et là maintenant... Non, tu pas le pouvoir. Tu setup quand même l'arme alors. Ouais, ouais, ici je mets mon arme. Ou un bash, je ne sais plus. Mais je sais que je contrôle le board. Je laisse pas un énorme board comme ça. C'est ça. Pour lui dire, j'ai pas ma baston. Joue Tyrion. C'est ça, c'est exactement ça. Là, je me suis dit, allez, je vais essayer de bait son Tyrion ou de bait son Dr. Set, parce que là, j'ai pas encore vu passer le boom. Hein. Et en plus, là, je lui donnais une information, parce que c'était quand même un board qui se laissait baston avec enthousiasme, j'ai envie de dire, tu vois. Donc, là, je lui donne une fausse information. J'essaye un petit peu de le mind game. Faveur divine, 6-6 bouclier divin. C'est pas spécialement ce que j'avais envie de voir pour être honnête. T'as quand même le slam dessus, hein, ouais. Qui fait pas ouais, mais mal. Le slam, il ne tourne rien, quoi. Enfin, tu vois. Oui, mais il te fait avancer. Ah, tu joues. Oui. Ah oui, c'est pour ça que j'ai enlevé la Rhyson Jones. C'est pourquoi pour mettre en fait. Oh, monsieur le beau jeu. Mais oui, mais là je me dis, j'ai rien pour le proc. Tu vois, j'ai l'exécute, mais et là je tente le brawl comme ça. Je me dis, allez, faut que je gagne le. Ah oui. Parce que là. 12 points de vie. Guerrier de qualité ou guerrier de qualité? Ah là, monsieur est talentueux. Monsieur est en train de se refaire par rapport à la game précédente. Life... Oui, non, mais là, je lui fais, attends, moi aussi, je peux le faire. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie de te dire... On est deux à jouer à ce jeu-là. On est deux, hein. Ne pinaillons pas. Ah ouais, non, là, je me dis, on est deux à jouer à ce jeu-là, mon Lascar. Ça, je peux le faire aussi. Et là, du coup, en fait, je devais le tenter. Pourquoi? Parce que si je faisais pas ça, si je faisais brawl et que je laissais une bête, là, je pouvais de nouveau me refaire snowball. Oh, ah ouais. Voilà, et là, on commence un peu à montrer un petit peu... Et là, qu'est-ce que tu fais? Je pioche une carte déjà de base. Oui. Parce que de toute façon, je sais que ça va passer en... Ok. Revenge Execute. De toute façon, quoi qu'il se passe, ça va être Revenge Execute. Faut juste espérer qu'une bombe tombe sur ta créa. Oui, là, moi, je me dis peu importe... Ah, mais non, elle peut pas... Là, je me dis peu importe, je l'ai éclaté. J'ai vu passer le D6. Donc, le suivant, déjà, me fait moins peur. Parce que c'est deux secrets ou trois secrets. C'est déjà plus le... Oui, il reste Tyrion, effectivement, à gérer encore. Ouais, il reste Tyrion. Mais là, je me dis, dans le pire des cas, j'y vais, quoi. Je mets, j'enlève le bouclier divin avec le crash vase et je mets un coup de... C'est ça. Et ici... Voilà. Et là, de nouveau... La Death Bite, t'es content d'avoir. Voilà. C'est ça. Et je sais même pas. Est-ce que je vais pas taper dans la 4-3 et claquer un brawl ici? Je sais pas, écoutez, je vais pas spoil, je vous avoue que je m'en souviens plus. Élise. Ouais, effectivement. Donc là, j'enlève pour pas qu'il y ait drop-up sur le... Et on balance. Et vous voyez que ça joue vite, hein. C'est peut-être une erreur de ma part ici. Ouais, quoique... Et c'est pour ça que je voulais partager... Non, c'est rien. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous, vous montrer un petit peu... Ah, je dis pas que j'ai joué mes games parfaitement, mais je voulais un petit peu... Parce que je pense que c'est ce qu'on voit pas. T'as l'air speed en fait, tu parles plus vite que d'habitude. Mais oui, parce que j'essaie de suivre le rythme de la game et ça, je vois que ça joue super vite en fait. Effectivement, la game joue super vite. Ça joue super vite, donc du coup, tu vois, j'essaye un petit peu comme les commentateurs de le. Eh là, nous voyons, ça va au vide. Aïe, 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 aïe. Tu vois, c'est. Mais c'est vrai que Pavel est top deck maintenant. Hein. Ouais, il est en top deck. Et moi, je me dis, moi aussi, mais mes top decks sont plus pesants que les siens. Probablement. Tu vois. Et sauf s'il me fait ça. C'est un peu plus embêtant, certes. Voilà. Et là, je suis de nouveau, mais bon. Enfin. Ouais, l'air de rien. Ah, mais oui! Ah, ben voilà. Ton pote Harrison est toujours voilà, là. Voilà, je l'avais effectivement. Donc, tu vois, ça remonte à une petite semaine. Hein. Et voilà. Et là, je me dis, au revoir, mon gars. C'est fini pour toi. À ce moment-là, je sais que j'ai gagné la game. Oui, parce que là, tu bâches. C'est fini. C'est fini. Tu hors de bouclier. Surtout qu'il n'y a que une. Normalement, il n'y a que une faveur divine dans, Oui, donc là, je me dis, c'est fini pour toi. Plus jamais tu reviens. Voilà, ça, il peut. Oui, ça fait pas grand-chose. Hein. Non, regarde. Hein? T'as fait moins peur. Ah, c'est tout de suite beaucoup moins sexy. C'est ça. Du coup... Et là, je me la joue vraiment peinard. Oui, tu vois, là, le respect est complètement mort. Là, j'y vais carrément à la tête parce que je me dis, il peut plus rien non, me faire. Non. Puis accessoirement, tu vas quand même te faire 9 points d'armure sur le tour. C'est ça. Voilà. Et même pas... Oui, tu poses Élise. Mais ouais, t'as raison. Là, maintenant, il me fait... En fait, j'ai plus peur de rien, concrètement. Mais... Là, même le Tyrion, mais il vient, je le bâche. Enfin, tu vois... De toute façon, t'as de l'étal, là. C'est ça. À part Tyrion, de toute façon. Là, je me setup à l'étal. Donc, voilà. Donc, c'est la vengeance de la game précédente. Ouais, il a mérité bien. Voilà. Ok. Voilà. Donc, là, on est à 1-1. Et le problème, c'est que je sais maintenant que dans sa compo, les deux decks qui lui restent sont favorisés par rapport à ma compo à moi. Parce que je sais qu'il lui reste un druide,
Et je sais qu'il lui reste un démo. Probablement, vu sa line-up, je me dis c'est un zoo. Même si ça peut être un démo. Ouais. Et tu penses que le... Alors, le druide... C'est vrai qu'historiquement, c'est pas un bon match-up pour le guerrier. Mais double baston avec tellement d'armure, ça peut encore le faire. Ouais, mais le baston, tu vois, parfois le druide, il suffit d'avoir limite deux créatures bien velues. Un petit combo, ça te fait du 25, quoi, tu vois. Donc, c'était pas et là, j'ai un mulligan dégueulasse. Concrètement, j'ai mulligan toute ma main, j'ai récupéré ça. Donc, tu vois, c'est pas... Après, voilà, je me dis, allez... Faut pas que ça aille trop vite. Non, c'est ça. Et là, je me dis, bon, quand même, j'ai de quoi gérer ces tons. J'ai un acolyte, j'ai le slam exec. Bon. Faudra voir quelle version c'est, si c'est la mid ou si c'est la supra-crasse. Là, a priori, à ce stade-là, j'en sais absolument rien. Est-ce que Pavel joue crasseux ou super crasseux? Là, déjà, crasseux. Je me dis. Là, déjà, c'est quelque chose que tu veux pas voir. Non, c'est un très bon start. Ouais, ouais. C'est quelque chose que tu veux absolument pas l'acolyte voir. Acolyte de la souffrance, éventuellement, tu appelles soit le gardien du bosquet, ce qui serait dommage. Moi, ce que je veux, c'est évidemment qu'il ne l'ait pas. Hein. Parce que là, mon optique, évidemment, c'était de mettre le cruel. Ouais, bien sûr. Et là, je pense que je bâche immédiatement. On avance dans le deck. Ouais, c'est ça. Et on lui laisse rien. Oui. Parce que, inversement, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si le druide, tu lui laisses qu'une créature par tour, voire que toi aussi, t'es le temps de commencer à poser les tiennes... Oui, à partir d'un moment... Il va pas pouvoir en poser beaucoup. Hein. Le problème, c'est qu'il faut pas qu'il emballe la game, quoi. C'est ça le problème, en fait, dans ce match. Prenons un exemple ici. Hein. Un petit sous-chef cruel. Exec. Non, je... Ou le fais à l'armure. Oui, je crois que je le fais à l'armure tant que j'en ai. Tant que parce qu'en fait, ça peut aller très vite. Oui, un petit balayage, t'as plus de créa. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Donc, j'essaie de value. Ah, ok. Et là... Je me dis, il va un peu, il commence de, tu vois là, c'est ça le problème, là la game commence à s'emballer. Ah, et voyez que j'ai pas d'arme, si j'avais une petite arme, la physionomie aurait été tout à fait différente. Tu vas la chercher ton arme avec un slam? Je pense que non, je pense que je vais d'abord voir ce que ça me donne, et là évidemment, la banane. Là t'es content. Et hop, là je vais piocher. Comme ça je me dis, allez, dans le pire des cas, je peux prendre le trade avec exactement. Ma 3-2. Là t'es bien, ah tu joues double slam. Ouais, double slam, là c'est vraiment le défensif, hein. Plus même à tendance fatigue. Est-ce que tu connais un peu les arts martiaux? Est-ce que tu connais ça dépend lesquels. Le défensif-offensif ou l'offensif-défensif? Non. Non, tu connais pas ça? C'est pas grave, les DI. Enfin bref. Ok, dommage. Mais là, je suis en défensif-défensif. C'est ce que j'allais dire. Défensif-défensif. En fait, si tu veux, Là, je me dis, c'est bizarre quand même son play, mais bon. Alors, amis fans d'arts martiaux qui savent de quoi je parle, dites-nous un peu comment on pourrait analyser. Ça pourrait être très sympa, c'est faire une micro-vidéo. Ouais. Justement, la stratégie de l'offensif-défensif ou du défensif-offensif. Sur Hearthstone, je pense que c'est l'application. Genre qui passe d'une stance à l'autre selon la... Non, en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a des gens qui te donnent l'impression d'être défensif. Alors qu'ils... En fait, ils provoquent l'attaque. Ah, c'est du Penchaxi, là. Genre comme dans le Penchaxi, oui, ça. C'est ça. Ah, là, tu vois, je suis content, parce que là, les repops, honnêtement, les repops de ces déchiqueteurs sont infects. Oui, là franchement, on peut dire qu'il a eu les deux plus petites qu'il pouvait avoir. À chaque game, je dois le squelch. À chaque game, je dois aller... Ah, je veux dire, autant la première, elle était crasseuse, autant jusque-là... Ouais, monsieur Mebi, vous en sortez pas mal. Oui, oui. Oui. À vous. Et voilà, un top deck. Encore. Et c'est le deuxième qui me top deck, là. Et là, je comprends pas trop ses choix. Il veut rentrer des dégâts? Non, je crois qu'il trade, en fait. C'est pour ça. Je me dis, pourtant, il a vu que je jouais deux revenge. Mm-hmm. Parce que là, pour le même tarif, je lui mets un revenge. Je pense qu'il peut partir de la game. Hein. Mais bon, regarde, il est déjà... Tu vois, mine de rien, je me fais quand même doucement poker. Ouais, en fait, t'as 25 points de vie, ça va encore. Mais ça va, encore. Ouais, il a 5 cartes en main. Ouais, et c'est ça que je me dis. Heureusement, t'as tes slams qui peuvent te... Et là, de nouveau, un top deck. Voilà, ça c'est quelque chose aussi. Hein. Il y a deux choses qu'on veut vraiment pas voir dans ce match-up. Et je l'ai beaucoup joué, ce match-up. La croissance tour 2, vous voulez pas la voir. Et l'ancien, un petit peu comme ça, qu'on voyait que vous dites, allez, c'est bon. Il a plus que 5 cartes en main, ça commence, boum, un ancien qui tombe en... C'est pas forcément... Mais je me dis, allez, il y a encore moyen, on s'accroche, tu vois. Ici, qu'est-ce que tu fais? Tu le slams? Je crois que je slam exec. Est-ce que tu vas le trade ou est-ce que tu gardes l'exec? Je crois que... Oh. Ouais. Je crois que j'ai l'exec parce que je me dis, je veux absolument conserver cette 3-5 pour protéger mon... Et là, je me dis, je suis bien. A priori, t'es pas trop mal. Il faudrait que les créas suivent. Le problème, c'est qu'il me fait beaucoup de cartes advantage. Oui, mais avec ton arme, tu vas en faire beaucoup. Parce que c'est maintenant que t'as la combo arme et armure boostée, tu peux te permettre d'aller... C'est ça, là, on peut y aller avec la tête. Moi, j'ai arrêté de jouer justement le hurle-sang parce que j'ai remarqué qu'on druide, je croyais que ça allait m'aider, mais je me rentrais de toute façon tellement de dégâts. Qui te mettait un combo après. Mais que ici. Et voilà. Et là, c'est top deck encore une fois. Hein. Ça, on est à 3ème top deck de suite. Hein. Enfin, juste pour le signaler, quoi.
Ah, et tu vas activer une. Ouais, j'essaie de tout clean. Et là, de nouveau. Ah, ouais, c'est moche ça. Et là, j'y vais à la tête. Mais bon, voilà, là, je me fais une migraine. Hein. Concrètement, il me faut une aspirine là. Mais bon, tu vois, l'armure, tempo, en fin de compte, je me prends 3 dégâts. 22 quand même. Non. Ouais, mais, c'est pas mal. Mais bon, 22, je commence à me faire tout doucement. Je commence à me faire tout doucement mettre en range. L'air de rien, ça a l'air pas grand chose. Et voilà, de nouveau, hein. André qui sort de la droite. J'aimerais voir combien de cartes il a pioché. Ah oui, non, il est beaucoup plus loin que moi là. Donc, tu vois, déjà, je passe assez régulièrement dans mes games sur le deck de mes adversaires. Et je tiens ça souvent en compte, donc on devrait pas tarder à le voir. Du coup, je vais essayer de garder ça à l'œil. Aïe, et là, tu vois, ça se met pas bien. Là, d'un coup, je me dis... Ah. C'est vert, quand même. Ouais, ça commence à pas être cool. Allez, là, je me mets de nouveau, je me dis, allez, c'est pas grave, on est hors range du combo. Oui, largement. Voilà, tu vois, bah, largement, non. Hein. Non, en fait, non. Son combo, c'est 19, là, pour moi. Donc, on est déjà plus très large, tu vois. Et tu vois que je me fais grignoter, en fin de compte, et que je peux pas faire grand-chose. 12 cartes. Ah, mais finalement, t'es pas tellement derrière. C'est 12 contre 12 contre 14. Ah ouais, mais mais là maintenant, ouais, il en repioche une, donc c'est du 11 contre 14. Ah, il a bien avancé. Ouais. Et il peut trade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il repioche, hein. Ah, il repioche. Ah ouais, je sens qu'il cherche son double. Honnêtement, là, je me dis, il cherche son double combo, le gars. Ouais, c'est 22 dégâts. Ouais, je pense. Et plus la shade, a priori, il métal hein, sur un double combo. Donc, et là, je subodore quand même que c'est ça qu'il va nous chercher, quoi. Je subodore une présence. Oui, ça, j'ai placé subodore. Allez, ça, c'est fait. Subodore, la dernière fois que je l'ai entendu, c'était dans Star Wars. Une présence. C'est quand Vador parle d'Obi-Wan. Je n'ai jamais ressenti des remous pareils dans la force. Sauf en présence de mon ancien maître. Vous avez eu grand tort de vous mesurer à moi. Enfin, ah, mais non, mais tu connais le. Ah, ouais, on connaît ses classiques. Le scénario par cœur. Enfin, non, le scénario, je le connais, c'est le texte, je ne connais pas. Et là, est-ce que je bash face? Non, même pas encore. Donc je me dis, a priori, je meurs pas, 26, hein. Sauf, évidemment, sur le double combo, mais ça, que je bash pas, le double combo, je le prends, je meurs. Qu'est-ce qu'il fait, une balayette? Oui, de la droite. Là, je crois qu'on est au 5 ou 6e top deck de suite. En même temps, il a pioché beaucoup quand même. Ouais, mais bon, avant, le 5e ou 6e, au premier des 5 ou 6e, il n'a pas pioché oui, beaucoup. Oui, hein. Oui, oui, oui. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'un petit slam ici serait pas le bienvenu quand même? Je me demande si je vais pas faire slam, coupe d'armes. Là, je crois que je commit à fond. Parce que si tu fais... Là, je crois que je vais chercher le Toraisan avec le slam. Et ah, ben là, oui, c'est un misplay de ma part, à moins que je veuille piocher. Ouais, là, c'est un misplay de ma part, je prends un dégât en trop. Oui, effectivement. Mais alors, je pense que d'abord, je me dis, ouais, je veux piocher un truc. Je voulais voir mes options pour pas me fermer d'options. Bon, là, on fait gardien du bosquet. Hein. Ça, c'est gardien du bosquet. Hein. Ah, si. Hein. Voilà, et encore, je vais pas dire qu'il vient de la droite, mais il vient de la droite. Je le dis pas, hein. Je l'ai pas dit. En même temps, il est vraiment dans une dynamique de pioche assez poussée. C'est ça, il creuse vraiment, et on voit qu'il maîtrise aussi très bien son match-up parce qu'il recycle, il recycle, il recycle. Il fait que ça, en fait. Hein. Il fait. Là, je peux pas laisser. Hein. Parce que là, évidemment. Non. Je me fais avoir sur le combo. Hein. Tu peux pas. Donc je suis obligé. Mais qu'est-ce que t'as comme gros drop dans ton deck? Eh ben j'en ai pas. J'ai pas de gros drop, c'est le nouveau guerrier Disfatigue. Donc là, c'est mon Monkey, mon Elise, c'est ça qui me donne un petit peu. Et c'est pour ça que tu joues la Justicar, c'est pour ça justement que je joue mon Hurlesang parce que. Mais est-ce que tu joues alors les Murlocs? Non, non, non. Ça non parce que. N'exagérons pas. Non, parce que justement, j'avais peur des decks aggro en allant dans ce tournoi. C'est pour ça que j'ai pris. En me disant, mais j'ai pas forcément besoin de mes gros drops. Parce que j'ai besoin, c'est de temporiser la game. C'est parti. Et là, j'ai cru voir un gros minet. Et là, c'est parti, le fameux double combo. Et oui, on a un follower. Voilà. En fait, en plus, avec la tête. Le check Norris. Juste sur la tête du jury devant les double combos, c'est magnifique. Et donc voilà. On l'a vraiment bien mis en fait. En plus c'est juste sur la tête des... En fait j'ai la photo de Chuck sur la tête de Rick en fait. Pavel Chuck Norris. Voilà. Et là tu vois je peux rien faire en fin de compte. Je peux rien faire. Ça y est. C'est parti. Et là le problème c'est écoute, que... Si ça y va trop faudrait que j'enlève ça. Ouais. Mais pour le moment le Chuck Norris c'est une vidéo dans laquelle il y a plein de trucs imprévus qui se passent. C'est chouette hein. Donc on est à combien là? Là c'est 2-1 pour lui. Ouais. Et là je sais que le match-up est imbuvable pour mon démon Reno hein. Je sais que le match-up est imbuvable. Donc alors, tu joues le combo avec Leroy. Ouais.
Hein, parce qu'il y a la version avec le golem. Ouais. Mais le Leroy fait plus de dégâts, mais est plus dépendant du Torii-san. Par contre, et c'est là où je regrette, hein, et c'est ça aussi qui est intéressant peut-être de voir avec vous, c'est que je pense que ma line-up n'était pas bien pensée. Qu'est-ce parce que tu aurais dû prendre alors? Peut-être quelque chose de moins sensible au droïde. Peut-être un mage tempo ou un démoniste zoo. Parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire, bah ouais, je me suis un petit peu jeté dans la gueule du loup en... Ma compo était trop sensible au droïde. Et là, honnêtement, là, dans ma tête, je vais me faire roll kill par le droïde. Je suis déjà bon. Je suis déjà content d'avoir réussi à stopper le paladin secret parce que c'est évidemment un gros client dans la méta. Hein, je vous apprends rien. Après, moi, je me dis, bon, ben voilà, de nouveau croissance T2. Bon, c'est comme ça. Mais ceci dit... Mais voilà, mon start est de nouveau descend. Il est pas mal ton start. Tu as la bombe pour le tour prochain. J'ai de quoi gérer... T'aurais même éventuellement l'éruption. Mais je pense, si je dis pas de bêtises... Ah, c'est bien. Ah non, non, ça. Je setup mon board plutôt. Ah, c'est mieux, ouais, hein. Ouais. C'est mieux. Parce que là, du coup, il passe pas pour le moment. C'est ça. Puis tu lui rends 3 dégâts 6. C'est ça. Il se soignera pas, a priori. Hein. Non. Donc, je me dis, il faut essayer un peu de lui mettre la pression. Ce que je veux, en fait, c'est pas être moi. Comme dans la game précédente avec le guerrier, vous avez vu, j'étais fort dans la réponse, quoi. C'était moi qui répondais. Et lui, il mettait, moi, je répondais. Lui, il mettait, moi, je répondais. Et ce que j'essaye de faire, évidemment, et je pense que c'est le meilleur moyen de battre un druide, c'est de lui mettre lui dans la réponse. C'est vraiment le druide, tu lui disruptes, enfin tu lui empêches les tours, quoi. Comme il ne jouera qu'une carte par tour pendant très longtemps. Oui, là. Ah, ça c'est un peu plus embêtant. Là, parce que là il m'empêche tout simplement d'utiliser mes options. Parce que là si j'avais pas eu le... Je pourrais gérer facilement. Et là je vais voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Là je suis content, hein, en fin de compte. Jusque là oui. Voilà. Et j'imagine que tu vas lui rentrer les dégâts dans sa face. Ouais, bah ouais, parce que j'ai pas de bon trait d'apprendre, donc je vais laisser lui venir et utiliser mes sorts en soutien derrière. Je me dis s'il vient me chercher la 4-3 avec la 5. Et mine de rien, je le menace quand même. Parce que. Il est à 21 là. Il doit se dire peut-être que lui joue le combo, il connaît pas ma version, alors, il a pas encore vu. Donc, on rappelle que le combo, il fait potentiellement c'est 20 dégâts. 20 minimum, ouais. Donc bon. Donc là, il doit quand même me respecter. Je veux dire, il ne doit pas non plus commencer à s'en canailler un peu trop, quoi. On a aussi gentiment le... Et là, je me dis, ah, merde. Ah. Mais bon, c'est pas grave, j'ai le BGH. Ouais. Mais c'est surtout maintenant, je me dis, il y a quand même une accumulation de créatures. Lui, il joue ultra agressif, hein, parce qu'il ne cherche pas à prendre les trades. Et c'est vrai que ce rugissement... Ce rugissement, je suis mort. Tu vois, concrètement, c'est ça que je suis en train de me dire ici. Donc... Je pense que je vais faire un petit peu, je vais faire un peu le foufou ici. Tu vas faire une bombe et tu vas suivre avec un BGH ? Ouais. Je vais... et je me demande si j'aurais pas dû... Ah, c'est pas mal. C'est pas mal quand même, parce que là, il n'a plus que la bombe, hein, d'effectifs. C'est ça. Donc en fin de compte, je me dis, ouais, je suis pas encore trop mal mis. Ouais, tu te sens pas mal. On rappelle que t'as le hitbot en main. Hein. Ouais, j'ai le hitbot, j'ai le Leroy, donc ça peut aller sur un malentendu. Ça pourrait s'accélérer parce que ton pote l'a 3-2. Ouais, mais là... C'est pas possible, il va s'en occuper. Hein. Ouais, Gardien du bosquet. Les racines vivantes. Ok. Et là. Ah, tu c'est vois, et après, moi, je me. Un tu peu vois, plus agréable. Tu vois, ça commence de nouveau. Il me picote, quoi. Il me picote. Ouais, c'est embêtant parce que toi, t'as pas de quoi gérer facilement. Hein. Non. Non. Je pense que tu dois jouer ouais, ça. Ouais, mais le problème, c'est que je me dis, ouais, mais je suis open. Ouais. Là, je commence à être ouvert à pas mal de choses. Pas forcément agréable. Bon, il faut pas qu'il te fasse un tour trop crasseux. Non. Et là, comme il joue très rapidement, et là, il prend beaucoup de temps en compte. Et là, je me dis, aïe, il va me faire quelque chose qui est pas plaisant parce qu'il prend beaucoup de temps à compter. Tu vois, c'est tous les petits trucs. Ah non, pas le BGH, non. Déjà, il n'y a pas le BGH. Déjà. Non, ça va, il cherche des options là. Donc, je me dis, ça va, il a pas. S'il cherche, c'est qu'il l'a pas. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est quelque chose. Je me dis, allez, je suis content. Allez, le passif sur une bombe. On l'a super bien mis, j'ai pas l'impression. Ouais, il est bien calé. Hein. Et là, tu vois, il est ultra aggro, quoi. Oui, il faut que la bombe tombe bien. Ah, regarde qui vient de la droite. Regarde qui vient de la droite. Pan, allez. Et là, je me dis, c'est fini. Bah non. Mais si, parce que regarde, tour 9. Voilà, non. Mais je suis à 12 points de vie. Ouais, mais non. Ah, mais oui, mais attends, moi, je vois le talent qu'il a, le gars. Attends, c'est non, pas... Non, allez. Allez, et ça, c'est pas bon. Parce que s'il n'avait pas le combo, ben voilà, maintenant il a... C'est plus embêtant, parce que là, même si tu te soignes, t'es quand même mort. Ouais, c'est ça. Maintenant, même le healbot, il me fait plus partir de la range. Tu dois quand même le jouer, j'imagine. Hein.
Oh, le canon. Ouais, alors là, ce que je veux... Attends. Ouais, et comme le Hillbot, c'est un mec, c'est un méca. C'est un méca, ouais. Donc, je sais qu'il va aller toucher... La 5-3. Ouais. C'est pas mal. Et donc, pouvoir prendre un trade avec une de mes deux bêtes. C'est ça. Rest in peace. Voilà, regarde où il vient le rugissement. Aïe, pilonnage de Mibi. Donc là, on est à combien, Mibi? Bah écoute, c'est 3-1 pour lui, c'est la fin du BO. Et donc, va. BO plaisant. Ah, vous avez joué très vite. Ah oui, attends, là je crois qu'on me voit rager un coup. Oups. T'as ragé? Non, j'ai pas ragé, j'ai directement kické de la friendly. Parce qu'en fait, il m'a forcé à lui. Ça, je le fais systématiquement avec les gens qui me forcent à les mute pendant les matchs. Les deux premiers matchs, j'ai dû le mute. Hein, c'est parce que t'as vu, à chaque fois, j'allais le squelch. Parce que. Ah. Genre, I will destroy you, machin. Et ça, c'est quelque chose qui t'énerve un petit peu. Ouais, tu joues pas la dame secret? Très bien, mais la ramène pas. Non. C'est ce que je dis toujours. Ah, on peut jouer des trucs. Tu des peux, trucs, mais, ouais, mais tu la ramènes pas. T'es en compète, tu joues des trucs les plus sales. Moi, j'ai envie de te dire, ça fait. Ben oui, bien sûr. Joue les trucs. J'ai aucun problème avec ça, mais la ramène pas. C'est vrai qu'en compète, je veux dire, théoriquement... On est censé être... Surtout que c'est un joueur pro, tu vois. T'imagines les mecs en finale de je sais pas, ouais. Moi, de Roland-Garros. Ouais. Tu l'as vu, celle-là. Hé, les Romains, vous êtes des Romains. Enfin, tu vois un peu l'idée. Enfin, voilà, même si je perdais, je voulais quand même vous partager ce BO. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte... Il y a quelques leçons à en tirer. Voilà, c'est ça. Je le trouvais quand même intéressant, en fin de compte. Pas quand même beau, assez disputé, parce que mine de rien, les deux games que je perds, bon, ça se joue à des petits détails, pas grand chose, hein. Cette top deck, enfin bref, pas grand chose, et donc voilà, je trouve intéressant, et c'est une série que je me disais, bah, pourquoi pas en faire une... Parce que là, c'est que le tout début, hein, mais en fait, c'est vrai qu'on a envie, de temps en temps, quand Mibi fera des compètes, que tu nous fasses un peu ton retour sur tes games, et que tu nous fasses aussi ton retour sur le comment se préparer, ouais. Et là, clairement, la leçon, c'était qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y avait une faiblesse face au druide, le druide est quasi... Oui, non, c'était sûr, hein. Quasiment, voilà, certain. C'est sûr. Ceci dit, on espère que ça vous a plu. Ouais. On espère que vous aimez Chuck Norris. On espère que vous aussi, vous trouverez que franchement, là, décapiter Vador, c'est un manque de respect total. Non. Ça ne se fait pas. Il y a des choses qui se font pas, non. On espère surtout que cette vidéo vous a plu, que vous êtes content de voir David et Mibi côte à côte. Puisque, comme je vous l'avais annoncé, on va essayer de vous record toutes les vidéos façon HSFR côte à côte. Et on vous rappelle les lives tous les dimanches à 20h, puisque maintenant, c'est dans le marbre. Donc, live tous les dimanches à 20h sur la chaîne David. Oui. Ça ne veut pas dire que Mibi ne streamera pas sur Nvidia, non. Ça ne veut pas dire que je ne streamerai pas sur Game of Origin. Mais en tout cas, ces horaires-là, on les maîtrise et donc on s'est dit, on a au moins un live où on est sûr. Ouais, c'est un projet supplémentaire, pas un projet qui remplace, tout exactement. Simplement. Voilà, exactement. Tout simplement. Et sur ce, on fait tous un gros bisou. On fait des gros bisous. Le Spanish bisou. C'est ça, le Spanish bisou. Allez, ciao les amis, à bientôt. Appelez-moi Antonio. Eh ben oui. Salut tout le monde. Ciao.